Moi, Jean Pellou, j'étais en seconde ligne occupant une cave que les obus n'ont jamais pu enfoncer. On y était tellement bien qu'on oubliait les événements tragiques de la première ligne. On causait, chantait, riait, fumait, dormait, écrivait, lisait. Le ravitaillement était copieux. Qu'est-ce qu'on dormait bien dans ce taudis à 10 mètres sous terre?